Chers frères et sœurs de la grande famille du Carmel Thérésien, nous arrivons à la fin qui est aussi le commencement de notre cheminement avec la déclaration sur le charisme, avec la joie d'avoir partagé un même travail de réflexion et de prière. Il y a eu, oui, proposition de travail communautaire, de lecture commune et de dialogue. C'est un exercice que nous faisons depuis de nombreuses années. Avec les écrits de la Madre, puis avec la réflexion sur les constitutions, maintenant, la déclaration sur notre charisme est de 2023 à 2025 avec les écrits de Saint Thérèse de Lisieux. Il s'agit de toujours lire notre vie à la lumière de nos saints et des textes qui nous poussent à renouveler notre style de vie en embrassant les origines et en répondant à la nouveauté du présent, sa nostalgie et en reconnaissance pour l'hérité reçu. Le présent est toujours le lieu de la grâce, l'éternel présent de Dieu. Puissons-nous apprendre à nous laisser conduire par Sainte Marie du moment présent, de l'aujourd'hui. L'Esprit Saint nous conduit toujours, à chaque époque, vers le présent fécond de Dieu. Notre spiritualité a été tissée par des saints, hommes et femmes, laïcs et religieux, qui ont pris le risque de vivre dans la confiance, l'audace de la promesse de Dieu dans des moments toujours difficiles, voire impossibles, mais toujours possibles pour le Dieu de commencement. La déclaration sur le charisme n'est pas un texte dogmatique, ni une lettre définitive, ni une loi. C'est un texte qui, comme tous ceux qui nous ont accompagnés dans les moments décisifs de notre histoire, est là pour nous aider à relire notre vie. Cette réflexion nous invite à ne pas en rester au texte, mais à approfondir notre expérience de vie aujourd'hui. Nous ne canonisons ni les écrits thérésiens ni saint-joanistes, est encore moins les textes de la déclaration. Celle-ci est une invitation à vivre avec passion, sérieux et créative notre vie de prière, notre fraternité, notre communion et notre réponse à la volonté de Dieu en ce moment. Ne passons pas notre temps à discuter d'idées ou de conseils, mais ayons le courage de miser notre vie sur ce qui a fait de Thérèse de Jésus et de Jean de la Croix des maîtres de vie dans l'Église, sur ce qui a fait de Thérèse de l'Enfant Jésus une lumière dans la nuit spirituelle de son temps, de distinguer une témoin de la communion et de la fécondité de la croix pour tous les peuples et toutes les religions. Il n'y a pas de temps à perdre, sans angoisse ni précipitation, mais avec détermination, nous voulons nous éveiller à l'espérance de ces moments et découvrir les pousses qui germent au milieu de nous, avec une saine autocritique, soyons les veilleurs et les prophètes de ceux qui veulent naître. Même si nous sommes petits et pauvres, le Carmel a écrit les meilleures pages de son histoire dans les conditions les plus précaires. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas croire que notre temps est un temps d'espérance. Je tiens à remercier les frères définitaires pour l'effort accompli avec tant
d'empressement. En chacune des vidéos présentant chaque proposition pour la réunion communautaire. C'était une aide simple et directe pour nous encourager à approfondir le sens de notre vie et à renouveler les bases de notre cheminement. La déclaration doit continuer à être un outil précieux, ne la laissez pas enterrer dans les bibliothèques. Retournez-y de temps en temps pour continuer à en écrire l'expérience vivante qui ne tient dans aucun livre. J'invite les prochains chapitres provinciaux à revoir les fondements de notre vie décrits dans la déclaration. Approfondissons par un dialogue sincère et profond dans les meilleurs styles thérésiens, sans peur de nous exposer et sans peur d'écouter l'autre. Écoutons ce que l'esprit nous demande maintenant. Armons-nous d'humilité et de transparence, sans craindre de perdre notre confort ou notre sécurité. Ce n'est pas le moment de perdre du temps dans des discussions inutiles. Allons vers ce qui peut renouveler et rallumer la vive flamme dont Jean de la Croix nous a parlé. C'est maintenant le moment favorable pour écrire une page unique du Carmel. Ne nous laissons pas décourager par les chiffres ou par l'âge ou par les difficultés du temps présent. Celui qui nous a appelés nous guide. J'invite toutes les communautés, provinces et circonscriptions de l'ordre à préparer les prochains chapitres provinciaux et régionaux en essayant de transformer cette déclaration en un projet et un programme de vie concret, en prenant soin d'un élément concret que nous ressentons comme particulièrement urgent dans notre parcours en tant que province, région ou communauté. Il ne s'agit pas de viser des objectifs inatteignable, mais de faire de petits pas basés sur l'expérience et l'engagement personnel et communautaire. Encourageons-nous mutuellement pour stimuler ensemble les signes de vie, les pousses qui certainement germent parmi nous. Quels fruits sont nés dans notre vie concrète lorsque nous relisons notre charisme à la lumière de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse tous et nous donne la grâce de marcher en sa présence. Laissons-nous guider à tout moment. Que Marie, la première en chemin, nous prenne par la main.